Charles III, rancunier, certainement pas pour les fêtes de fin d'année. Alors qu'il s'apprête à vivre son premier Noël sans Elisabeth II, le roi souhaite réunir sa famille à Sandringham, dans le Norfolk. Si Kate Middleton et le prince William devraient se joindre à lui, et son épouse Camilla Parker Bowles, avec leurs trois enfants, d'autres membres du clan Windsor ont également reçu un carton d'invitation. Parmi eux, Sarah Ferguson, selon les informations du Mirror. Elle pourrait même faire une apparition publique avec son ex-mari disgracié lors de la traditionnelle promenade du matin de Noël à l'église Saint-Marie-Magdalène, indiquent nos confrères. Et ce, alors que la famille royale avait interdit à la mère de Béatrice et Eugénie d'York de passer Noël avec elle depuis sa séparation avec le prince Andrew en 1992. Pendant 30 ans, elle a fait le dîner de Noël toute seule, note le média. Supérieure à Sarah Ferguson et le prince Andrew, une histoire d'amour singulière. Charles III a-t-il invité le prince Andrew? Quant à son ex-mari, avec qui elle vit dans le Berkshire, s'il a été démis de ses fonctions royales après avoir été impliqué dans l'affaire Jeffrey Epstein, on ne peut pas l'exclure du Noël familial, explique une source de Sandringham au Sun. Le personnel de Wood Farm aurait donc été chargé de préparer les lieux pour toute la famille York. Si Sarah Ferguson accepte l'invitation du roi Charles III, elle échangera les cadeaux de Noël dans la White Room de Sandringham avant le repas. Sur la liste des invités, on retrouverait également les noms de Meghan Markle et du prince Harry, indique The Mirror. Une proposition que le papa d'Archie et Lilibet pourraient bien décliner. La mort de la reine signifie qu'il n'y aura pas autant de pression pour réunir toute la famille, ce qui est une bonne chose car il semble que Harry et Meghan ne seront pas présents, explique l'experte royale Angela Levin. Créative Photo, agence.